Et bonjour. Épisode 3 de notre Let's Play sur Hyrule Warriors vers du fléau, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la cité Gerudo. On va aller voir ça, parce que c'est la mission niveau 5. Hein. Du coup, on prend Zelda dans l'équipe. Je pense qu'on prend Zelda dans l'équipe. Et à la limite, ouais, Impage, je vais pas y toucher. Comme ça, moi, ce sera le perso avec lequel je pense que je ferai les combats. Pour que ce soit elle qui XP vraiment. Par contre, voilà, on pourrait améliorer des gains infligés de queue. Voilà, ouais, c'est voilà. Voilà. Ouais, on va juste changer son arme. Et Link. Ah, Link, ouais, on va lui mettre l'espadon. Hein. Link, petit espadon, là. Oh, ou l'épée de soldat. Hein. L'épée de soldat, elle est pas mal. Hein. Oh, mais l'espadon. Sachant que Link, voilà, il a une nouvelle tenue. Ah, quelque part, il a un style comme ça. Ouais, genre, ouais. Ouais, allez, après tout, on va dans le désert. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est parti. C'est parti pour le scénario, la suite. Les Gerudo vivent dans une cité des contrées Gerudo. C'est un peuple du désert, noble et fort, uniquement composé de femmes. Urbosa, la chef des Gerudo, douée de la prodigieuse faculté de contrôler la foudre et d'une exceptionnelle aptitude au combat, a été choisie pour piloter la créature divine Vanaboris. Elle était également une amie très proche de la défunte reine d'Hyrule. Accompagnée de Link, Zelda se rend en tant qu'émissaire du roi d'Hyrule à la cité Gerudo. Mais en chemin, les événements prennent une tournure des plus inattendues. Nani ? Ah, je veux bien que Link soit un garçon, mais là c'est peut-être un peu. C'est peut-être un peu violent comme réaction. Ok, bon du coup on a vu comment l'espadon fonctionnait. Hein. Donc voilà, si là je fais ça, je sacrifie ma vie. T'attaques jamais en fait. C'est ça ton secret. Ouais, c'est ça ton secret, ouais. Ça marche bien. Hein. D'accord. Bon, ça va, elles sont pas trop violentes pour l'instant les Gerudo. Ok. Bon, en vrai, il faudrait juste qu'on se dirige vers le sud de la cité plutôt que d'attaquer tout le monde. Hein. Ah ouais, attaque, hein. Non ? Un jour ? Un jour. Aïe. Ouais. Évidemment, quand elle attaque. Faut que je ne l'esquive pas. Ah, par contre, ça a l'air tellement vénère. Genre. Par contre, non, esquive, hein, jamais. Hein. Bon, non, mais. Allez, on y va. Ah, mais attendez, mais. D'accord. Pendant ce temps, Zelda, elle s'amuse. Pendant ce temps, Zelda. Zelda qui joue avec un sorcier électrique. Et Impa. C'est pas mal, hein. Il est pas mal son petit, son robot bombe là. Attendez, je vais recommencer.
Coucou. D'accord. Oh mais... Ah oui. Oh là là. Oh la violence de l'espadon quoi. Oh la violence. Taper, taper, taper. C'est... Moi j'aime bien. J'aime bien cette arme. C'est très vénère. Mais ah mais j'aime bien. Par contre il y avait... C'est censé être un objectif. Ouais, d'accord. Bon, c'est pas un peu contre-productif de se battre contre les Gerudo là par contre? Genre on n'est pas censé faire la guerre dans contre Ganon dans pas longtemps. Qu'est-ce que... D'accord, de Urbosa qui est vénère elle aussi. Hein. Ce serait bien de se rendre compte qu'il s'agit de nous. Hein. Mais bon. Ah mais... Bam! Non. Bam! Aïe. D'accord. Le coup qu'elle m'a mis est rentré dans mes dégâts temporaires. Intéressant. Ouais, bon, je sais pas pourquoi je fais le coup point faible là. Hein. À part pour faire ça, pas pour l'animation du taper, taper, taper. Hein. Taper, taper, taper. Trop bien. On va rentrer à la cité Gerudo par contre. Là, ouais, là je peux comprendre qu'ils nous attaquent tous. Parce que là c'est Link qui rentre. Hein. Non mais... Merci. Ah la caméra c'est zoomé. Ah. Oh, attendez. Ah oui non mais c'est un camp. C'est un fort à contrôler. Mais. Oh là là. Ah bah. Salut Zelda. J'adore ce coup. J'adore ce coup. C'est dit. C'est dit, c'est fait. Hein. Salut Herbosa. On peut rentrer dans la cité Gerudo, visiter les maisons. Hein, c'est cool. Est-ce qu'on pensait qu'il y a le marché encore? Pas le marché noir là. Oh, je me rappelle plus de la cité Gerudo. Pas un moment que je suis pas allé. Vu qu'on n'y est pas encore allé dans le let's play pour le coup. Si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas en vidéo c'est sûr que non, mais je sais que moi je m'y dirigeais. Je m'y dirigeais à un moment donné. Donc bon, on doit pas être très loin. Ouais, c'est bon. Plus rien à faire. Salut Herbosa. Tu vas encore me taper là ou c'est bon? Tu vas voir qu'on est Link et Zelda et tu vas arrêter. Herbosa. Pourquoi? Pourquoi fais-tu une chose pareille? C'est ici que votre destin s'achève. Princesse Zelda. Je suis rentrée aussi vite que j'ai pu. Mais je n'aurais jamais cru me retrouver confrontée à ça. Urbosa ? Au moins, vous n'avez rien, n'est-ce pas, madame? Je n'ai rien, non.
Bon sang! Il a fallu que tu interviennes! Eh bien, puisque c'est comme ça... Les petits jeunes, je compte sur vous. Ouais, ouais. Ah. D'accord, parce que c'est vrai que je me disais, c'est bizarre qu'Urbosa, même pour rigoler, alors, lol, elle dit ça à Zelda. Mais du coup, c'était vraiment pas elle. Ok. Et donc, Koga qui a fait son introduction là, son apparition, il est passé par là. Alors, quel est son but, quel est son objectif? Ça, c'est pas clair, mais. Mais on va finir par le découvrir. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, aïe. Mais en vrai, je pense qu'Urbosa... Urbosa, j'aimais bien dans les trailers ce qu'on voyait. Urbosa, Revali, j'ai assez hâte. Bon, enfin, Urbosa, du coup, là, on y est. Aïe. Faut arrêter, hein. Ça, c'est le temps que je comprenne comment ça fonctionne. Ah, elle a une barre d'électricité. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Ok. Là, y'a rien. Là, y'a rien, visiblement. Secours. Décalé. On va continuer avec Urbosa. Hein. Mais du coup, si je fais ZR, il se passe quoi? On va attendre qu'il y ait des ennemis. Hein. Pas. C'est une parade? Ah ou c'est juste que je charge en... Non, je crois que je charge en électricité mes coups, en fait. Je crois que c'est ça qui se passe. Tu as eu la malchance de m'avoir fait. Très bien. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Même si j'ai pas encore compris vraiment, je suis pas encore sûr d'avoir compris. Hein. Ou alors c'est sur les attaques X qui utilisent la foudre. C'est pas clair. Hein. Pour l'instant c'est pas clair. Ah salut. Non mais j'aime bien, ouais, elle est assez assez vive, Urbosa. Non mais... Non, c'est pas du tout une parade. Bon, un jour je ferai la parade parfaite, hein. Un jour. Du coup là, j'aimerais bien voir son A. Donc on va continuer un peu encore de la jouer. Histoire de charger ses coups. Du bruit au nord, c'est pour attirer la créature. Huh. Oh, attendez, hein. Link. Faut que Link il aille là. Zelda elle aille là. Voilà. Histoire qu'ils avancent un peu. Ouais, ouais, salut. Hein. Oh là là, il doit y avoir 40 milliards de trucs dans ce désert Gerudo. Alors que... Oui, on voit, par exemple, on voit très bien que là, ils ont raccourci la map. Parce que ça, c'est pas du tout censé être aussi proche. Mais...
Mais bon, après, c'est une question d'échelle, après, ceci dit. Si on devait mettre le même temps que ce qu'on met dans Breath of the Wild pour y aller... Je pense qu'au bout d'un moment, ça se verrait, quoi. Alors bon, évidemment, du coup, je suis pas au bon endroit du tout, hein. Mais, voilà, il y a un coffre. Vous saviez qu'il y avait un coffre, là? Voilà. Mais avant tout, là, pour découvrir des choses, ici, hein. Pas là pour speedrun le jeu, hein. Je veux dire, moi je sais que je l'aurai fini d'ici 3 jours, mais sur YouTube, il va s'écouler 4 mois avant que le let's play soit terminé, mais bon. Non, en vrai, de toute façon, dès que je vais avoir des épisodes de près, je vais vous les mettre. Avec ça. Ah, j'ai jamais remis la cam. Mais ouais, du coup, bon, voilà. Ouais, dès que j'aurai les épisodes, je vous les mettrai, mais... Mais forcément, il y aura un petit décalage, quoi. Je vais avoir de l'avance sur ce let's play, hein. Donc vous étonnez pas, hein, voilà. Sachant qu'une fois que ce let's play sera terminé... Là, du coup, il y aura encore des épisodes de Breath of the Wild qui pourraient sortir éventuellement, qui ont été tournés avant. Mais en gros, voilà, les épisodes qui sortiront après la fin de ce let's play, normalement, seront que des épisodes, du coup, qui seront tournés vraiment après. Donc on essaiera aussi d'évoquer ce que le jeu pourrait éventuellement nous apprendre. Voilà, tout dépendra aussi du contexte de sa canonicité, mais... Mais voilà, ça c'est des questions, des questionnements qui ne seront plus clairs. D'accord. Qui ne seront plus clairs quand on aura terminé le jeu. Non mais stop. Bon. Ah mais du coup on a pas vu son A, bon on le verra après. Hein. Moi je parie sur le fait que ce soit pas fini. Après ça. Au secours. C'est vrai qu'il se TP. Mais non. Ah oui. Alors attention. Taper. Quand même fort, hein. Ça a l'air quand même tellement bourrin. C'est ça que j'aime bien dans les museaux. C'est des bons défouloirs quand même généralement. Donc c'est des jeux qui sont répétitifs, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que bon, pour le coup, c'est vraiment ce côté, voilà, tu tapes sur des monstres, taper. J'aime bien. Ouais, les bombes. Hein. Ouais. Paf. Aïe. Y a du monde là. Or que Link prend toujours plus de level, d'ailleurs. Oui, non mais... Non, c'est... Allez, salut, hein. Ah non, il faut vraiment... D'accord. Pour ça qu'il me disait ça. Ok. Ah, il faut continuer. Ah ouais, il faut en éliminer un certain nombre, quoi. D'accord. Allez, on y est presque. Et bam. Bam! Oh là là. C'est quand même agréable. Hein. Du coup, là, a touché un de ma manette, ça y est, elle va mieux. C'est lui. Et tant mieux. Hein. Ok. Voilà. Amir Bossa est revenu. Comme tu voudras. Elle est revenue. De ses propres ailes. Oh, ça sent la grosse bête. Ouais. Un mol d'Arcor. Quelle charmante créature.
Oh, il a fui vite fait. Hein. Oh là là. Ah, je commence à m'y faire un peu plus là, du coup, au jeu. À sa maniabilité. Alors, du coup, vu qu'on dit, ouais, donner des objectifs aux gens, tiens, Zelda va là, et Link va là. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Et du coup, on va tester le A sur la grosse bestiole. Non mais oh, pas déconner hein. Coucou. Oui. Comment ça? Non mais concentrons-nous d'abord sur les Yiga. Ouais ouais, t'es drôle hein. Tu m'as fait rigoler hein. MDR. Bon attends, je me soigne. J'avoue, j'accepte, je me soigne. Non mais c'est comme le gardien cette histoire. Ça y est, il se décide à agir enfin. Toujours pas. Ah voilà. Ça y est. Et si je gelais tout ça? Ouais, c'est la furie Urbosa. Tellement classe cette attaque. Tellement bien. Bah pour l'instant ça se passe relativement bien ce mode hardcore. Je vois pas le problème hein. Et si je gelais tout ça? Alors ouais. Mais faut attaquer par contre. Pour l'instant il est un peu moins dangereux que dans Breath of the Wild. Hein. Pour l'instant. Non, c'est ça. Et si je gelais tout ça? Voilà. Peut-être faut le faire au bon moment quoi. Paf! Bah, c'est pas. Pas assez de dégâts. Hein. Non. Comment je recharge mon. Viens, viens, viens! Petit, petit, petit! S'il fonce pas sur moi aussi, forcément! Hein. Sale bait. Après pour l'instant ça se passe bien. Alors, elle fuit un peu. Tu sens qu'il a pas envie hein. Tu sens qu'il avait pas envie de se battre en vrai hein. Et si je gelais tout ça? Bon j'ai pas enchaîné hein, mais il a foncé dedans quand même hein. En fait, si je le fais au bon moment après un combo, ça marche. C'est pas clair. Pour l'instant, c'est pas clair. Petit, petit, petit. Et si je gelais tout ça? Aïe, aïe, aïe. Des eaux. Il y avait du sable. Il y avait de l'eau dans ce sable. Il y avait du sable dans cette eau. Ah non, d'accord, je viens de comprendre. Je viens de comprendre comment il marche mon ZR.
Et si je gelais tout ça? Là, je fais ça. Non, bon, d'accord, jamais. Mais j'ai compris. En fait, il me permet justement de recharger mes éclairs. Voilà. Bon, bah ça, c'est fait. Ah, peut-être qu'il y a un... Ouais. Ouais, ouais, il y a un coffre. Ah bah d'accord. La batte Boko. Ça, c'est une arme à deux mains pour Link, ça. Ça, ça sent bon, l'arme à deux mains pour Link, ça. Petit Korogu, là. Petit Korogu. Ah non, petit coffre. Petit coffre, ça me va aussi. Hein. Non mais, ouvre ce coffre. Ok. Alors. Bon, on va continuer avec Urbosa, juste le temps d'aller jusqu'au... Jusqu'à l'adjudant, là. Colonel Liga, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais, et ensuite, on fera avec Link et Zelda, chacun un autre. Ok. Ouais, ouais. Ah, bah d'accord. Oh là là. Tellement vénère. Mais il est où? Il n'y avait pas un ennemi? Non, c'est juste l'avant-poste. Ok. Ah non, voilà. Là, il y en a un, là, il y en a un peu plus vénère. Et si je gelais tout ça? Attends, prends ça un peu. Au cas où ça rentre dans ta barre. Oh bon, d'accord. C'est rentré dans ta barre, ouais. C'est ressorti après. Hein. Nickel. Bon, du coup. Allez. Non mais... Ah là ça a marché. Non je m'y fais hein. Petit à petit là je m'y fais au gameplay du jeu quand même. Au gameplay avec les persos, les... Je comprends un peu mieux ce que je fais quoi disons. Alors oui je vais jouer Link. Juste je nettoie ce camp. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Cassez-vous, là. On ne vous a pas demandé, vous. Bon, il y a sûrement un truc dans cette zone, mais... Allez. Tandis que l'Oasis... Ah, il est là. Ok. Ça, c'est un endroit important dans le dans Breath of the Wild. Ça va à peu près la même tête. Ah pardon, pas vu toi. J'ai pas fait gaffe. Excuse-moi. Désolé, pas désolé. Bon taper. Des bons dégâts. Deux. Paf! Tellement vénère. Ok. Éliminer le grand Koga. On va y aller avec Urbosa. Hein. Extraction d'identité, extorsion plutôt. Alors, faut qu'elle se venge quoi. Et au bout d'un moment, bon. Ok. Par contre, ouais, c'est normal là, tous ces mobs qui n'ont rien à faire ici. Tous ces mobs de Ganon là. Qu'est-ce qu'ils font là, là? Hein? Cassez-vous. Comme tu voudras. Oh mais attends, Urbosa, vas-y. Je veux que ce soit Urbosa qui s'en occupe. Par contre.
des choses importantes hein, à faire. Voilà, ça salut. Salut. Ah mais y'a tout le monde qui est là en fait, Zelda lié. Ok. Non mais. Oula. Bon Koga, je sens que ça va être un perso jouable hein. Même si bon, peut-être que je me gourre mais... Je me dis que c'est pas impossible quoi. Ah, bon, trop tard. Pas fait gaffe du tout. Ah, bah oui, forcément. Mais non, mais... Je me gourde de boutons en fait. Je l'appuie sur R, j'appuie sur ZR. Et ouais. Ouais, si tu utilises ça, ça marche bien. Ça, c'est quoi? C'est son ult, ça, non? Si jamais c'est un perso, c'est son ult. Je le sens bien. En attendant, prends des dégâts. Et bon, il va pas mourir, mais... Ah ouais, il meurt vraiment pas, ouais. Arrêtez-vous. Comment ça? Phase 2. Bah ouais, ça valait le coup de... Ah, attendez. Non, mais... Voilà, le paravoile. Aïe. Et si je gelais tout ça? Mais tu veux pas le lock? Oula. Oula là. Non mais. Ah ouais, ça a pas marché là ce coup-ci. Arrêtez-vous. Ah oui d'accord, en fait le clone c'était vraiment un faux jusqu'au bout quoi. Sauf qu'il est pas mort. Mais non mais. Oh là là. Boum. Toi t'es mort. Toi par contre, ouais. Si j'utilise ça. Ok. Paf. Deux. Ah ouais, c'est méga fort ça. Je crois que c'est le combo de deux. Mais je suis pas sûr. Ce combo là est méga fort. Il se fait défoncer. Ça y est. Oh, t'y as cru, hein. Il y a cru, hein. Comment ai-je pu être vaincu par ces vermines? Mmh.
T'en as mis du temps. J'ai bien failli y rester. Ça ne se reproduira pas. Repliez. N'y pensez même pas. Soupa. Soupa Saiyajin ? Non, pas du tout, mais... D'accord. Un nouveau perso fait son apparition. Une lance fait son apparition. Oui. Comment ça ? Ouais, alors attends, moi je veux vendre... Je vends quoi, moi ? Vous êtes marrant, vous ? On va vendre ça. Ah ouais, j'ai deux armes en trop. On va vendre ça. Et voilà. Et le reste, je vais fusionner. Hein. Très bien. Épaulière des sablions. Les saphirs qui garnissent cette armure pour homme, vendu au club secret Gerudo, abritent un pouvoir de glace qui aide à supporter la chaleur. Et le Vai Mitzvoi. Et le famoso Vai Mitzvoi. Littéralement, homme rencontre femme ou femme rencontre homme. Pardonnez-moi de vous avoir fait déplacer jusqu'ici. En ce moment, la confusion règne dans la cité. Cela ne me dérange pas, Urbosa. Ce n'est pas ta faute. J'imagine que vous connaissez le gang des Higa, n'est-ce pas? C'est une branche dissidente du clan Sheikah qui a pour but de ressusciter le fléau Ganon. Ces bandits ont étendu leur influence jusqu'ici, dans le canyon Gerudo. Nous ne pouvons pas éternellement les laisser faire sans réagir. Je vais piloter Naboris. J'en accepte le commandement. De la part d'une personne aussi chère à mon cœur, c'est une demande que je ne peux pas refuser. Je te remercie, Urbosa. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir en tant que princesse d'Hyrule. Oh, madame. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, je le ferai avec plaisir. Ça va être l'heure de piloter la créature divine, je suppose. Ah ! Hein ! Alors, vous êtes revenu la queue entre les jambes ? Si je n'avais pas été interrompu, j'aurais... À vrai dire, je ne me suis jamais attendu à grand-chose de votre part. Et ? Enfin, qu'importe. Allez, montrez-moi l'avenir. Oui, c'est ce destin que je veux voir advenir. Je ne permettrai à quiconque de le changer. Alors bon, là on a le fameux méchant énigmatique de ce jeu qui pour l'instant en tout cas se dirige plus... Ah, pas de contrôle de Vanaboris. Ok. Je pensais que ce serait à chaque fois le contrôle de la créature du coup avec la mission, mais non. Le chef des Gerudo est une aussi grande guerrière et aussi une grande guerrière qui maîtrise la foudre. C'est ce pouvoir qui lui a valu d'être choisi pour piloter la créature divine Vanaboris. Elle était également une amie très proche du feu, la reine d'Hyrule. Ouais. Oh là là, wow. Secours. 12 milliards de missions.
La galerie a été mise à jour. D'accord. Voilà. Ouais. Voilà. Si vous voulez lire. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le finisseur à la teinterie. Ah ouais. C'est important. Ça, je veux dire... Voilà. Alors, est-ce que... Non, ça marche que pour les tenues de Link. D'accord. Ah mais je vois à quoi ça va ressembler. Hein? Ah, c'est que le t-shirt qui change là, par exemple. Ok. Genre là-dessus? Ah, genre là-dessus, c'est les polières, ok. Bon, c'est toujours... Ok. Bon, c'est toujours ça, c'est toujours un, voilà, c'est toujours sympa, écoutez... Oui, non mais le robot, là, il veut que je fasse 100 milliards de trucs, ouais. L'entraînement d'Urbosa, oui, bon, ben... Le truc, c'est que... On est d'accord que ça... Y a pas de cinématique. C'est juste un combat. Hein? Donc, voilà, si je l'ai fait en off, ça posera pas de problème. On est d'accord. Garde optimale. Vous pouvez renvoyer une attaque avant vous... Ah! Et en appuyant. Puis en appuyant sur Y. Ah! Ah! Donc comme dans le jeu, en fait. Comme dans Breath of the Wild. Tout simplement. Bon, bah du coup, on a un personnage en plus. On a vu ce fameux méchant dont on ne connaît toujours pas le nom. Mais a priori, ouais, ça a l'air pour l'instant de se diriger. Les premières choses qu'on envoie... Hein. Vers le prophète qui a annoncé le retour de Ganon. Bah voilà. Du coup là on m'explique que... non mais j'ai compris du coup que si je fais ça... D'accord. Ouais. Non mais ouais, globalement, bon ça t'explique le principe du perso mais du coup je l'ai compris à peu près comment ça fonctionnait. Je devrais faire des petits dégâts là. Ah bah. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. D'accord. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça devrait être fini. Non? Merci. Très bien. Hein? Je peux encore me battre? Attendez, je me bats. Hein. On me dit que je peux encore me battre. Hein. D'accord, oui. Ok, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul objectif, hein. Tout simplement. Tout simplement. Non, mais Urbosa, j'aime beaucoup. Paf. Tu as eu la malchance de m'avoir face à toi. Urbosa, j'aime bien, ouais, c'est... Faudra que je me fasse petit à petit à tous ces combos. Sachant qu'on va en débloquer de nouveau, hein. Mais pour l'instant, c'est quand même vraiment cool. Ça y est, en plus, c'est bon. J'arrive à caler les esquives, je suis content. Et paf! Très bien. Bon, on dira rien sur le fait que l'entraînement d'Urbosa soit de casser la gueule de ses soldats. Mais ça se trouve, c'est pareil chez Daruk. Hein. On va dire, voilà. Ah oui, non, mais Link, non, c'est vrai qu'il faut que je... Ouais. Au secours. J'ai quoi comme arme dont je peux me débarrasser? Ouais, et ça. Adieu. Et après ouais, il faut que je fasse des fusions là, parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout là, Link il a beaucoup trop d'armes. Il faut trouver Noya, il faut grandir la sacoche. Hein. Bon. Très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Hein. Je pense que ça va être comme ça, hein. Ça va être un épisode, une mission, hein, mais... Écoutez, voilà. Ah, ouais, non mais par contre, ouais, voilà, ça va être infini.
Mais c'est très bien, moi c'est... C'est vrai que c'est une de mes craintes par rapport à ce jeu, c'est le contenu. Mais le contenu autre que l'histoire. Parce qu'il y a l'histoire d'un côté, mais il y a tout ce qu'il y aura autour de l'histoire, quoi. Ah d'accord, il faut une barrière de marchand. Ouverture de l'étoile des stars. Bien joué. D'accord. Là, on nous vend des matériaux sympathiques. Ah. Là, j'ai pas les matériaux. Ah, et si je fais ça? Ok, on me dit, ouais, si tu veux les matériaux, il y en a là. Ok. C'est sympa. C'est bien fait. Bon, du coup, on va faire ça. Comme ça, elle a un cœur en plus. Mettrai cette force en œuvre au combat. Très bien. Oh, le labyrinthe. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour la suite. Je pense... Je sais pas si je vais enchaîner encore ou pas. C'est pas possible que j'en... Ouais, c'est pas possible que j'enchaîne encore au moins un épisode avant de faire une pause. Et du coup, de faire les combats. C'est pas impossible. Mais peut-être que... Peut-être que... Parce qu'attendez, comment on fait pour voir la bataille? Non mais... Mission de combat. Voilà, là il m'en reste 1, 2, 3... Il m'en reste 4. Dont 3 avec des personnages que je peux modifier. Je sais pas. En vrai, je sais pas. C'est pas impossible que je fasse quand même une pause là, pour le coup. Donc éventuellement, je fasse un ou deux combats, histoire de voilà, ça me parle des compos. C'est, voilà, tiens, recette du soufflé des mouettes. C'est cadeau. Ah, c'est cadeau. Bien joué. Voilà. Gain d'expérience plus 7%. Eh, pas mal. Pas mal. Ok. Bah écoutez, la prochaine fois, je pense qu'on ira chez les Auras. On pourrait aller chez les Piaf, hein, mais... Et j'ai envie de voir bébé Sidon. J'ai envie de voir Mipha aussi, surtout. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.